Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour parler quête annexe, quête secondaire sur Diablo 4 et plus précisément des quêtes qui sont liées à un item à drop, à loot et qui est donc lié à un petit peu de random, d'aléatoire puisqu'il va falloir le looter, mais il y a des conditions à chaque fois pour looter l'objet et du coup cette vidéo va me permettre de vous les présenter. Je vais faire en fait une série de vidéos, il y aura une vidéo par région, on va s'intéresser à la première dans celle-ci, les pics brisés, et tout ça me vient d'un post Reddit que je vous mettrai en description, donc qui était en anglais, en texte, et qui donnait toutes ces infos qui sont tout à fait fiables, et j'ai décidé de vous en faire une version vidéo avec les noms en français, avec l'illustration aussi vidéo, pour que ce soit bien clair. Donc tous ces objets à chaque fois, hein, quand vous allez les drop, c'est un petit élément turquoise, vous pouvez pas le rater, et surtout, normalement, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir dans votre partie, hein. Parfois il va falloir prendre du temps, mais ça finira par tomber. On va donc commencer dans la zone de la taïga de Dobrev, et quand je dis la zone, les zones c'est vraiment celles que vous avez sur votre carte. Quand vous allez sur la zone des pics brisés, vous avez des territoires délimités et ils ont un nom en haut à gauche. Donc là, on va aller dans la région de Margrave, la zone de la taïga de Dobrev, et on va tout simplement tuer des ennemis, ouvrir des coffres, retourner des cadavres, et on va finir par obtenir le vieux tableau délavé. Ça démarre en fait une série de quêtes qui est liée à l'histoire de Margrave et qui est liée au personnage de Zalan Kost, qui lui-même est dans la ville de Margrave. Donc on va lui rendre le vieux tableau délavé. Et ensuite, on peut drop le deuxième item, le deuxième objet de quête, qui est donc le registre de marchand. Il se drop exactement de la même façon, donc dans la taïga de Dobrev. Même chose, vous tuez des monstres, vous ouvrez des coffres, vous allez finir par avoir le registre, le rendre à Zalan. Et la troisième partie de cette ligne de quête, finalement, se situe à Yelena. Vous allez devoir aller voir Dvemir, le marchand au nord de la ville, qui va vous vendre le chevalier en bois sculpté. À nouveau, l'item est turquoise, hein, il est différent des autres. Et vous allez pouvoir le rendre à Zalan, ce qui nous fait trois quêtes déjà. Ensuite, dans la vallée cinglante, qui est la région autour de Yelena, vous allez dans les gisements pouvoir obtenir la géode glaciaire. Alors ces quêtes-là, c'est des quêtes où simplement vous allez récupérer un item un peu rare, que ce soit une plante, et là une géode par exemple, c'est donc du minerai, et simplement le rendre ensuite donc dans la ville concernée, à la personne qui est intéressée par ça, et ça valide la quête. Donc simplement les gisements, donc il faut chercher des gisements, et donc je vous conseille bien sûr de longer plutôt les bords. Si jamais vous trouvez un endroit qui ressemble à une mine, ce sera probablement plus productif. Mais voilà, il faut simplement ouvrir plein de gisements dans la zone, vous faites un petit tour. Hein. On se rend ensuite dans l'étendue glaciale, avec la cache scellée de l'exorciste que vous avez probablement looté, parce que c'est difficile de ne pas la looter sur une première session, puisqu'il y a énormément de fantômes et de squelettes dans cette zone, et que ça tombe sur les fantômes et les squelettes, justement. Donc il faut simplement tuer plein de fantômes, vous allez finir par avoir la cache scellée de l'exorciste. Cache qui va avoir un fonctionnement qui va être récurrent aussi sur ces quêtes secondaires, puisqu'elle va vous indiquer une zone. Dans cette zone, il y aura des points rouges sur votre minimap, c'est les ennemis à tuer. Et c'est pas eux qui vont charger la cache, c'est ce qu'ils drop en fait. Donc ils vont parfois drop une ressource qu'il va falloir récupérer. Elle est aussi indiquée sur la minimap en blanc avec un contour bleu. Et vous allez pouvoir récupérer cette ressource pour charger la cache. Une fois qu'elle est chargée, vous avez fini la quête et vous avez juste à ouvrir la cache dans votre inventaire pour récupérer son contenu. Dans cette étendue glaciale, vous pouvez aussi obtenir la chaîne de guerrier donc sur les ennemis Khazra, donc tout simplement, hein, tuer à nouveau donc les hommes bouc, hein, pour obtenir la chaîne de guerrier qui est à rendre dans la ville juste à côté. Dans la clairière livide, donc sur la gauche de la zone des pics brisés, on a deux éléments de quête à récupérer. Et là, moi, j'ai mis un peu de temps à les obtenir parce que j'avais ignoré la partie nord-est de la zone. Donc si jamais, comme moi, vous galérez à trouver, bah, n'oubliez pas qu'au nord-est, il y a toute une partie justement clairière, ça s'appelle la clairière livide. Et c'est là, moi, en tout cas, que j'ai obtenu les items. Alors bien sûr, c'est aléatoire, donc... Mais voilà, si jamais, n'oubliez pas cette zone, en plus de dans votre recherche. Donc il y a le perce-givre à obtenir, qui est donc une plante, donc à obtenir sur les plantes. Hein, donc vous allez looter les plantes et finir par obtenir le perce-givre. À nouveau, une quête à rendre. Et la cache en os affamé, donc à nouveau une cache à charger, qui elle va s'obtenir en retournant les cadavres. Donc vous fouillez tous les cadavres de la zone, vous allez pouvoir obtenir cette cache en os affamé. Et enfin, dernière quête un petit peu cachée finalement de cette zone des pics brisés, c'est donc à la caserne de Khordragan, donc à côté du bastion de Khordragan. Vous avez donc un donjon qui s'appelle la caserne de Khordragan. Vous faites ce donjon dans toute la première partie, donc je vous invite à bien explorer. Vous allez finir par tomber sur un élite qui s'appelle du coup Julek, et qui lorsqu'il meurt vous laisse un message taché de sang. Donc si jamais vous ne l'avez pas croisé mais que vous avez fini l'objectif de la première partie du donjon, puisque vous savez les donjons ils ont plusieurs parties, à chaque fois il y a un objectif différent,
Fouillez bien toute la zone, parce que moi, par exemple, sur l'exemple que vous avez là, je l'ai trouvé après avoir fini l'objectif, donc n'avancez pas si vous ne l'avez pas encore croisé. Et également, je vous conseillerais de le faire en étant en tier 2, parce que lorsque j'ai essayé de le faire avec mon voleur en tier 4, bah, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est peut-être simplement que, voilà, je me suis peut-être un peu égarée sur les ennemis. Donc vraiment, faites-le en tier 2, comme ça vous avez la version classique du donjon, et normalement, vous ne manquerez pas le personnage. Voilà du coup pour cette première série de quêtes annexes, j'espère que ça vous permettra de bien compléter vos zones, c'est le plus important. Et si jamais ça vous a aidé, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement, et on se dit à très vite.